Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto Animal Crossing. Aujourd'hui, je vais faire un tuto, comme je l'ai dit. Avant, je n'avais plus fait de tuto, maintenant je recommence. J'avais fait plein de dessins, maintenant je recommence les tutos sur Animal Crossing. Comme vous l'avez vu dans les miniatures, ce sera un sol guimauve avec des petites pépites. Comme vous l'avez remarqué, la palette a changé, ce n'est pas tout à fait la même. Donc il faudra que vous reproduisiez la même palette pour pouvoir faire ce motif. Nous allons tout de suite commencer. Alors d'abord, je vais changer ça. Je vais prendre ça. Voilà. Et je vais prendre cette couleur pour faire le contour. Donc déjà, je mets le quadrillage. Voilà. Voilà. Ah mince, c'est pas là. Je me suis trompée. Alors, c'est voilà. Donc vous allez tout au bout. Attendez, je crois pas que vous voyez bien. Voilà, donc vous allez tout au bout. Et là, vous allez commencer. Donc, vous allez commencer comme ça. Vous allez faire ça au tout début, au coin. Ensuite, vous allez faire ça, 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 ça. À répétition. Donc, je vais vous montrer ça. Arrivé ici, vous voyez, c'est un peu voilà. Vous allez tout simplement faire ça et ça. Ça va faire un truc un peu bizarre, mais ça va faire ça. Donc on monte. J'ai un peu réduit. Donc ici, ça va faire la même chose qu'en bas. Donc vous voyez, sauf que c'est à l'envers. Ensuite, je continue. Et donc ici, c'est bien sûr la même chose. Non, prendre. C'est bien sûr la même chose. Donc, je vais faire ça. À répétition. Voilà. Et, non. Et voilà. Et on va faire ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, c'est un peu, mais pas bon. Donc après avoir fait tout ça, et ben c'est simple. Oui, c'est simple. Donc voilà. Vous allez prendre ça. Vous allez choisir cette couleur. Et vous allez faire ça. Donc l'intérieur est beaucoup plus clair que l'extérieur. Voilà. Donc ensuite, arrivez la phase des bonbons. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment très basique. Vous allez prendre une couleur, donc à l'occurrence, j'ai déjà préparé cette petite couleur à l'avance. Donc je vais prendre par exemple ce vert, enfin je sais que je vais prendre ce vert, mais bon voilà. Et je vais en mettre comme ça. Je peux en mettre comme ça. Enfin pas à trois parce que ça ne va pas à trois. Comme vous faites comme vous voulez, un peu dans ce sens. Voilà. Comme ça, j'en mets un peu partout, pas trop mais un peu partout. Donc, il y a de la place pour les autres. Et là, il y a le milieu, là, je mets ça. Ensuite, j'ai envie de mettre un peu de jaune, donner un peu plus de couleur, un peu plus de joie. Donc je vais faire pareil, je vais faire à peu près mince. Reprendre. Je vais faire ça. Pourquoi ça bug? Ah voilà. Voilà. Désolé pour ce petit bug. Voilà. Ensuite, par exemple, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Un petit dernier par ici. Ensuite, on va prendre une couleur, par exemple, ce bleu. Et ensuite, comme ça. En fait, je crois que en fond, je me suis trompée. Enfin, je crois que je devais prendre une autre couleur.
Je sais plus laquelle. Non, non, je crois vraiment que je devais prendre. Ah, voilà! Je me suis trompée, désolée. En fait, fallait pas prendre cette couleur. Mais cette couleur a c'est guimauve. Désolée. Donc, voilà. Ensuite, voilà. Donc, on en était à là. Donc, j'avais fait ça. Donc, ensuite, on va faire ça. Ça. Des petites pépites, toutes mignonnes. Enfin, mignonnes. Vous comprenez? C'est la même couleur que ça, mais c'est pas grave. Tiens. Si. Et j'ai envie de prendre une couleur assez foncée pour faire du chocolat, des pépites de chocolat. Je sais pas si je prends ça ou l'autre. Ça, c'est pas assez foncé. J'ai vraiment un truc qui fait du contraste. Au pire, je changerai. Non, c'est trop foncé. Je préfère que ce soit plus clair. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, faut juste faire des pépites, hein. Il n'y a rien de compliqué. Des petits trucs par-ci, dans d'autres sens. Voilà. Des petits trucs comme ça. En haut. Voilà. Un peu par-ci. Par-là. Tout en haut, on va faire comme ça. Ici, comme ça. Avec plein de couleurs. Donc après avoir fait tout ça. Vous dites ok, bon, ça s'appelle comme ça, c'est pas grave. Donc ensuite, bah, c'est ce motif. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Donc voilà. Donc ça c'est le motif qu'on vient de faire. Enfin voilà. Donc c'est ce petit motif rose. Donc ça fait un peu guimauve et moi je trouve ça un peu mignon. Enfin si vous voulez faire une ville. De petits gâteaux ou de petits bonbons plein de bonbons, bah vous pouvez faire ce motif que je viens de faire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à ma chaîne. Vous avez remarqué, voilà ça. Bon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un like. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!